Alors qu'il se donne actuellement la réplique dans Demain nous appartient, Hector Langevin, Bart, et Aliénor Bouvier, Adèle, se connaissaient déjà bien avant de jouer ensemble dans le feuilleton de TF1. Alors que le passé de François Lehaut, Emmanuel Moir, est au cœur de l'arche principale de Demain nous appartient, et que le rapprochement entre Jack et Ryan affole les internautes aux quatre coins de la planète, une autre intrigue tient actuellement en haleine les téléspectateurs, la relation épistolaire qui unit Bart, Hector Langevin, à la mystérieuse Adèle, Aliénor Bouvier. Grâce à leurs recherches, Roxane, Raphaël Volkoff, et Sarah, Camille Genot, sont parvenus à découvrir que la jeune femme, avec qui Bart échange depuis plusieurs semaines par tombe interposée, se sent responsable de la mort de son ancien compagnon, qui est décédé dans un accident de moto survenu il y a 3 ans. Adèle était elle aussi présente au moment du drame mais elle s'en est sortie indemne, contrairement à l'homme de sa vie qui est mort sur le coup. Depuis, sa culpabilité d'être en vie la ronge. Et la correspondante de Bart ne semble pas prête à rencontrer le patron du Spoon, qui traverse pourtant comme elle un deuil qui pourrait les rapprocher. En effet, dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé ce mercredi sur TF1, Adèle prend la fuite lorsqu'elle aperçoit Bart au cimetière, qui l'attend près de la tombe de son compagnon. Bart va-t-il réussir à la retrouver et à la convaincre de lui parler ? Réponse dans la suite du feuilleton quotidien à succès. Hector Langevin et Aliénor Bouvier ont déjà tourné ensemble avant Demain nous appartient présente dans Demain nous appartient depuis maintenant quelques épisodes. Aliénor Bouvier, formée au cours Florent, est apparue auparavant dans la série Tandem, portée par Astrid Veillon et Stéphane Blancafort, et dans le téléfilm La Malédiction de Provins, avec Anne Caillon, l'interprète de Flore Valorta dans le feuilleton de TF1. Mais celle que l'on retrouvera prochainement dans les séries Polar Park et Alphonse, respectivement sur Arte et Prime Video, a surtout déjà travaillé avec Hector Langevin avant de prêter ses traits à Adèle puisqu'ils se sont tous les deux donné la réplique dans le court-métrage Merci en 2016. D'une durée de 8 minutes, le film Merci est écrit et réalisé par l'interprète de Bart et raconte l'histoire d'un jeune couple qui subit les méfaits des non-dits. L'un et l'autre n'ayant d'autre choix que de se dire le fond de leurs pensées pour faire perdurer leur relation. Hector Langevin et Aliénor Bouvier se connaissaient donc déjà bien avant de se donner la réplique sous le soleil de 7. Reste à savoir si la comédienne va rester de manière durable dans Demain nous appartient. Et si Bart et Adèle vont finir par tomber amoureux l'un de l'autre.